de gamme et tente d'aller concurrencer les X5, ML, Cayenne et autres Range. Comme eux, il doit donc avoir une version musclée, la voici, elle s'appelle SRT et cache sous son capot un V8 essence atmosphérique de 6,4 litres et 468 chevaux, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports et bien sûr une transmission intégrale. Cette version SRT se reconnaît entre autres à son bouclier avant de travailler, ses ouïes sur le capot, ses énormes roues de 20 pouces noires ou ses deux grosses sorties d'échappement à l'arrière, le décor est planté. À l'intérieur, les sièges baquets à l'avant sont garnis de cuir et d'acier. La Cherokee est un monument apparu en 1974. 40 ans plus tard, voici la quatrième génération, entièrement inédite, comme l'indique d'emblée son design original, où l'on reconnaît quand même les 7 barrettes de la calandre propres à la marque. Techniquement, le Cherokee repose sur une plateforme d'Alfa Romeo Giulietta, puisque Jeep appartient à Fiat, mais rassurez-vous, elle a été adaptée pour pouvoir crapahuter, même si notre version d'essai est une 2 roues motrices, chasse au CO2 oblige. La gamme des motorisations compte 2 diesels, dont notre entrée de